Il faut libérer le soldat moment. Dès qu'il reste 30 minutes, il se prend une salve de sub et remonte à plus de 20 heures, c'est fou. Bah, s'il estime que ça vaut le coup, ça vaut le coup. Hein. Il a combien maintenant, moment? Ça fait combien de temps qu'il est en live s'il fait un subathon, si vous le savez pas, moment à l'heure actuelle. Il a eu plus de 6010 subs pendant son subathon pour l'instant. Donc, il est à 7284 subs. C'est vraiment pas mal du tout, hein, putain. Ça fait 14 jours! 14 jours qu'il est dans les locaux. Tu vois son vieux matelas dégueu derrière lui, là. On dirait un matelas Cars de Pixar. Ah ouais, ça c'est bien ça. Mais en vrai, il est cependant de ce genre. À aucun moment, ça s'arrête. En fait, ça s'arrête au moment où tu décides stop. Parce qu'en vrai, jamais ça va s'arrêter. À moins que ce soit un truc du genre un sub égale 10 secondes, quoi. Mais globalement, jamais ça s'arrête. En plus, je crois que Manu, il dort en stream et tout. Vraiment, tu vois son matelas derrière et tu peux voir son gros cul parfois la nuit, là. Oui, je sais qu'il y a une streameuse qui est en subathon depuis plusieurs années. Tout à fait. Je crois que ça fait 2 ans qu'elle est en subathon. Mais je me dis, mais c'est quoi la vie de... C'est quoi la vie, en fait? Donc, lance le tien égale un sub égale 1 seconde. Ok, je lance dans 10 secondes. Dans 10 secondes, un sub égale 1 seconde de live. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci à tous. Très bonne soirée à toutes et à tous. C'était incroyable ce bâton. Merci beaucoup. Oh putain, maman! Trop bien ce bâton. Ok, ça a rajouté 1 seconde. Attends. Salut, merci beaucoup, maman. Voilà. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Le sabaton était énorme. Énorme, énorme. Merci Warrock 2 pour les 34 mois. Bref. Ouais, un sub, 1 seconde, c'est un peu compliqué, hein, j'avoue. Emily CC. C'est ça. Elle est à 678 jours. Emily CC. Ah bah là, elle est évidemment en live. Et mais sauf qu'elle n'est pas sur son live. Elle a fait 678 jours en live, là. Il reste 585 heures. Je suis combien à s'est fait Il n'y a pas écrit le nombre de subs. Ah si. 1403. Ah oui, mais nouveau sub. Mais je me pose la question, genre c'est quoi sa vie? Juste une énorme facture d'électricité. Alors ça, c'est très probable. Mais santé mentale à gougagac. Oh ouais, tu fais ça, enfin... En fait, au moment où t'arrêtes, faut, je pense, réapprendre à vivre normalement. Que tu te dis, tout ce que je fais, ou quasiment toute mon activité dans mes journées, c'est filmer, c'est être regardé, commenté, machin, tout ça. C'est une expérience, quoi, le truc. Hein. Elle fait pas de live IRL dehors pour changer un peu? Oui, mais, enfin, probablement que si. C'est sûr que si. Mais t'es quand même en live. En fait, c'est ça, le truc. C'est pas juste être devant le PC, c'est être quand même en live. Quoi, un sabaton? Ouais, c'est un live qui s'arrête pas ton concept. En fait, tu définis. Genre, on va dire, je sais pas... Un sub égale 2 minutes de plus en live. Bah en fait, dès que quelqu'un sub, ça rajoute 2 minutes au live. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ensuite, les gens, ils savent. Enfin, tu t'arrêtes pas de stream tant que le compteur n'est pas arrivé à zéro. Mais en fait, je me dis, si tu fais ça, est-ce que tu kiffes vraiment? Est-ce que tu kiffes vraiment l'expérience? Est-ce que... Puis aussi, je veux dire, c'est si t'as une vie sociale un petit peu à côté, tu dis ciao, quoi. Tu manges comment? Bah, tu manges en stream. Soit tu te fais à manger en stream, soit tu fais une petite pause pour aller te faire à manger, puis tu retournes avec ton assiette et tu manges en stream. Soit tu te commandes un truc, j'en sais rien. Enfin voilà, il y a plein de façons de le faire. Même ta consultation médecin, c'est en live IRL. Non, mais j'en sais rien, tu vois. Après, ça dépend de chacun. Chacun met ses limites au truc, mais moi, c'est pas un truc qui m'intéresserait, en vrai. Je me suis déjà posé la question, je me suis dit, ah, pourquoi pas et tout. Mais en fait, non, c'est impossible. Imagine, tu avais fait un subathon le temps de RPZ, tu serais milliardaire. Mais même pas, en plus, non. Alors déjà, je serais même pas millionnaire. Mais en plus de ça, non, c'est. Quand t'es tout le temps en live, en fait, bah c'est à la fois un petit événement, mais quand ça fait longtemps que t'y es, bah voilà quoi. Justement, ce qui marchait sur certains lives comme ça, c'était qu'il y avait certains jours, j'étais pas là, puis d'autres où je revenais, machin, tout ça. Et toi, elle fait ça gratis, voilà, exactement, ça. T'imagines si ce truc que t'aimes faire à côté, tu les monétisais en les faisant en stream, mec, ouais, voilà. Non, moi, je suis pour le truc de ne pas tout monétiser. Parce qu'en vrai, vu que tu streams, tu peux legit tout monétiser, tu peux tout montrer. Je sais pas, tu changes une ampoule, tu peux le streamer. Qu'est-ce qui t'empêche de streamer le changement d'ampoule? De la pose d'un luminaire au plafond. qu'est-ce qui t'empêche de streamer ce truc-là? Rien. Même quand tu dors, alors ça c'est impossible. Ce serait impossible, ça serait le pire truc pour moi. Ça si tu veux redéclencher mes insomnies, faut me filmer en train de dormir. Faudra malheureusement chier dans le lit. Ah bah non, si je devais chier dans une pièce comme ça, ça serait dans un coin. Mais là, là c'est genre simulation prison, en fait, ce que vous me dites, là. Et même, c'est encore pire. Il y a des chiottes, au moins, dans la prison. Il y a même pas les chiottes, là. Là, c'est simulation cachot, en fait. C'est pas simulation prison, c'est simulation cachot. JDG a crash, let's go! N'hésitez pas à sub, les viewers de JDG. N'hésitez pas à sub tout de suite, avant qu'ils reviennent vite, faudra pas lui dire. Vite, JDG a crash, là, vite, faut sub, vite. Putain, mais qu'est-ce qu'il ferait pas pour pas jouer au jeu de Zera, quoi? C'est une dinguerie, hein. Très grave. Mais alors, le jeu de Zerator est blindé de virus. Ouais, c'est un truc qui va miner de la crypto, ça, 100%. JDG se fout de la gueule de ton titre, by the way. Ouais, bah au moins, mon PC, il tourne, quoi. Donc, peut-être que mon titre, il est moins bien, mais bon, au bout d'un moment...
Au moins c'est en live ici quoi. Au moins ça crache pas ici. Fais gaffe au karma. Ah ouais j'attends. Tiens tiens, le live a pas crash. Tiens tiens. Hop là. Bon. Merci le PC de JDG pour la soif faire la communauté, merci. Non mais la caméra tente de fou, chacun son problème. C'est pas la caméra, c'est moi. J'ai un problème. Ah, c'est très grave. Non, je vous promets que je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès. Je pensais que vous me trolliez. Ah, mais c'est un truc de fou, le karma. Je vais commencer à y croire. C'est incroyable. C'est très, très grave. Hein. Je vous promets que je n'ai pas cut. Je vous promets que c'est mon OBS qui est devenu rouge. Il y avait 0 kbps en bas pendant genre 8 secondes. Et ensuite, boum, c'est revenu. Je vous promets que je n'ai pas fait exprès. Je veux bien le faire pour le gag, hein, mais je l'ai pas fait, je vous promets. Putain, le karma est ouf, quoi. Ils sont pas fidèles, vraiment. Allô ? Oui. Allô ? Oui, je sais, ils sont pas fidèles, oui. Qu'est-ce qui se passe, Antoine ? T'as crash ? Dis-moi que t'as crash, j'aimerais trop que t'aies crash. Oui, j'ai crash ! Oh, bienvenue à tous ! Venez ici, ici ça crash pas. Mais ta gueule, ici ça crash. En fait, ce qui me tue, c'est que t'as crash deux fois, et je disais, oui, bah ici ça crash, ici ça crash pas, et tout, les gens me disaient, attention au karma, j'étais en mode, ah ouais, le karma, et ça crash. Mais vraiment, c'est une dinguerie, hein. C'est très grave. Hein. Ça me régale, ça. Mais vraiment, c'est très, très grave.